Petite vidéo pour donner mon point de vue par rapport à ce qui se passe en ce moment. On entend tout parler de la vie chère, des vidéos n'arrêtent pas de pilluler sous les réseaux, des paquets de gâteaux à 8 euros, etc. On a notre frère qui a été touché en Martinique, il n'y a pas de souci. Il y a plein de choses et c'est super chaud en ce moment. On me demande qu'est-ce que je pense du mouvement. J'entends souvent parler de ça partout, on me pose des questions, oui c'est dur et compagnie. Je suis plutôt silencieuse sur le sujet. Parce que j'ai un point de vue qui est un petit peu différent. Quand des gens sont en couple, tu as plein, ou qu'à quitter Mouna, tu continues notre vie. Quitte à des fois sacrifier quelque chose, changer un point de vue, une manière de fonctionner, mais quand quelque chose pour toi n'est pas bon pour toi, le rapport n'est pas bon pour toi, tu arrêtes. Tout ça pour dire quoi? Le gars, tu lui dis que son truc est moins cher. J'ai été libraire il y a quelques années. Il y avait ce qu'on appelle la loi Long pour permettre de payer moins de frais sur les livraisons. Je pense, je ne sais pas, je ne suis pas une professionnelle de l'agroalimentaire, mais je pense qu'il y a peut-être des lois comme ça pour payer moins le transport. Mais je ne sais pas, je ne sais pas. Simplement, je t'ai déjà dit une fois que c'est cher, deux fois que c'est cher. Admettons que ça n'existerait pas pour l'agroalimentaire, ça devrait déjà être proposé. Mais je t'ai déjà dit que ton truc est cher, je ne peux pas l'acheter. Eh bien, garde bité en bas. Un paquet de biscuits à 8 euros qui est bourré de sucre, c'est même déjà, ça a été démontré que les yaourts chez nous étaient plus sucrés. Et c'est cher, garde bité en bas. Il y a des associations aujourd'hui comme Ensemble. Comment il s'appelle le frère d'Henri-Joseph là, Yves, je crois, qui font des plantations même dans des pots qu'on peut faire sous sa véranda. On n'a pas besoin d'être un grand agriculteur. Il y a des gens qui me disent, ah oui, mais j'aimerais planter de la pomme de terre, mais ça pousse pas ici. Pardon, un petit coup d'histoire, jusqu'à nouvel ordre, la pomme de terre a été découverte dans les Amériques. Donc, et pas en Amérique du Nord, hein. Donc ça pousse chez nous. Donc, je suis désolée, j'ai peut-être un avis à contre-courant, mais il y a un moment, quand quelqu'un va trop loin, c'est abusé, c'est super touchant de ce qui est arrivé au frère. Les Martiniquais, ben, faut le mettre dans vos prières parce que on dit que quand on est plusieurs à faire certaines choses, les fanti libation bail, fanti libation aussi pour que ça là qui fait ça là, y occupé d'ailleurs. Bref, ça c'est encore un autre sujet, je m'étale, mais simplement, il y a un moment, le gars, je te dis que ton truc est cher, il est trop cher, ben, moi, eh ben, ou pas à comprendre ça, garde habité en bas. Et il y a un moment, même si par exemple commencer à planter aujourd'hui, ça prendrait 8 mois, ça prendrait 9 mois qu'on puisse récolter, mais quand vous avez deux pots sur votre terrasse pour ceux qui sont en appartement, ou même ceux qui sont dans une maison qui ne sont pas très, très forts en agriculture, ça pousse. Il y a plein de vidéos là-dessus sur les réseaux, sur TikTok, sur YouTube, où on vous dit comment on fait pour planter dans des pots. Bon, on plante dans des pots et laissez mon neveu habiter. Hein? Oui, mais mes enfants adorent tel biscuit, un biscuit bourré dessus qui part bon bail. Tu aimes tes enfants, non? Eh bien... Comme nous, on doit apprendre dans la vie, tout le monde, ça fait partie de l'apprentissage, eh ben, d'aimer quelque chose, mais de se rendre compte que c'est pas bon pour nous. Donc, il faut faire autrement. Eh ben, ton enfant va apprendre ça, ce sera l'occasion. Donc, il y a un moment, chacun son point de vue sur ça. Il est important de militer, mais il y a un moment aussi, il faut qu'on passe à l'action. Ça prendra 8 mois, 9 mois, l'habiter avec ton restant, les comptailles, eh ben, qu'elle a qu'à négocier pour mon acheter. C'est tout. Mais quand c'est des biscuits pendant des mythes, quand le riz, la dernière fois, je vois qu'il y a une histoire de riz avec des pesticides, je ne sais trop quoi, qui est rentré en Guadeloupe. Je suis désolée, le gars, ton truc est cher, il est hors de prix. En plus, il est empoisonné. C'est vrai qu'on adore le riz, un bon petit riz avec un colombo, un coup bouillon de poisson, c'est top. Eh ben, nous payons manger du riz. Hein. Des fois même, je me suis rendu compte que... L'agriculture bio maintenant, c'est des fois 30, 50 centimes plus cher, alors que ça demande plus de soins, plus d'attention. Eh bien, mangez bio, les gars, mangez moins souvent des trucs, mangez bio, allez directement chez les maraîchers ou les agriculteurs. Attendez, il y a un moment, on doit faire les choses. Il faut des gens qui aient le courage de faire des démonstrations de force. Mais si c'est pour faire une démonstration de force, pour qu'on puisse, derrière, continuer à acheter le truc du gars, qui empoisonne nos enfants, parce que le sucre rend les enfants hyperactifs, ça crée de l'addiction, ça crée de la nervosité, et en train de détruire notre peuple avec des problèmes de santé, d'obésité, etc. Parce qu'on dit l'obésité, machin, mais il y a l'hypertension, le diabète, qui sont des maladies de base, qu'on est quand même, tout le monde peut être sujet, mais qu'on est en obésité, eh ben, on est plus à risque. Nos enfants n'ont pas besoin de ça. Je suis désolée. Là, on a pensé avec toute bite, hein. Quoi, ça veut dire?
Tu veux pas faire de réduction? Très bien. Tu veux pas de réduction? Eh bien, rentre en fond à l'encre à penser tout produit. Hein. Et si on était, on commence à s'organiser. Je veux dire qu'il y a des associations qui bossent, qui militent, qui font des choses comme ça. La dernière fois, j'ai fait, dans mon live, j'ai parlé de des gens qui ont porté plainte auprès de l'ONU pour dire que cette histoire d'eau en Guadeloupe était inacceptable. J'ai eu combien de retours de personnes? J'ai eu énormément de gens qui ont vu la vidéo. Combien de personnes m'ont fait de retours pour me dire ils veulent se porter partie civile? C'est gratuit. Ils en cherchent des gens. Des professionnels de santé qui se retrouvent avec des gens qui ont des problèmes par rapport à la mauvaise qualité de l'eau. C'est des choses, qu'on recherche. Ça coûte rien. Mais c'est aussi à nous maintenant, eh ben, de changer notre paradigme. On veut plus de ça. Eh ben, aïe, coquel, je dis pas le reste, elle va habiter, c'est tout. Bon, c'est ce que j'avais à dire. Belle beau, protection de nos ancêtres méritants. L'homme aussi, je suis chimé en nous et à dans d'autres soleils, hein.